Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog! On est samedi matin! Et je vais me mettre. On dirait que ça sort bizarre. Du petit Clarins avec vous. J'espère que vous allez bien. Je viens vous mettre un vlog en ligne. Vous êtes trop cute! Les beaux petits commentaires sur mes robes. Ouh ouh! Min min, la pretty woman! Non, arrête. Je vais penser comme si que j'ai la grosse ego puis que je peux pas passer à travers un garde de porte là, parce que vous me dites toutes que je suis belle là, mais c'est pas ça là. Vous êtes juste gentille. Mais tu sais, on a le droit de se trouver belle, tu sais, comme il y a des robes que je me trouve vraiment comme cute. Mais dans le fond, zéro rapport là. Je voulais pas commencer le vlog en me lançant des fleurs, mais bon, c'est parce que vous êtes en train de m'envoyer des beaux commentaires. Vous êtes trop fine. Et, tu sais, je dis fine, je parle en majorité genre au féminin parce que 99% des gens qui me suivent, vous êtes des femmes. Donc, je vous délaisse pas les autres. Je vous aime aussi. Mais, c'est ça. Donc, là, il est midi. Je me suis toute préparée rapido presto. Je me suis maquillée un peu. Et je me suis juste séché les cheveux avec mon Dyson. Et je me l'ai pas vraiment raidi, mais genre, il y a comme une brosse lissante, là, ça me l'ai raidi un petit peu. Mais c'est ça, rien de trop. Je pensais que Molly était en train de vomir du gazon. Misère. Mais c'est comme l'histoire de ma vie, là, depuis qu'il y a comme genre, il y a du gazon dehors. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, à part de ça, je m'en vais en ville et je voulais vous dire un petit coucou avant de vous apporter avec moi. Et plan de la journée, c'est vraiment, je laisse la journée aller là. Je sais pas vraiment c'est quoi mes plans, autre que aller manger du yuzu. Je vous amène avec moi parce qu'il y a un nouveau poké qui vient de sortir au yuzu. Donc, je vais peut-être vous faire découvrir ça. L'an passé, il y avait eu le festival, c'est Festi Poké, je pense que ça s'appelle. Attends, je vais pas dire de niaiserie, là, mais je suis pas mal sûre, c'est ça. Festi Poké, Festi... Comment ça s'appelle? Comment je disais Festi? Non, c'est Poké Festival. C'est genre le festival des Poké. Ah, je sais pas si... Mais c'est ça, donc je vais vous expliquer c'est quoi le poké tantôt, mais c'est genre un poké à saveur d'un de mes sushis que j'adore, donc j'ai hâte de voir. Puis si je me trompe pas, c'est à chaque mois il va en avoir un différent, parce que l'année passée, il me semble, c'était ça. Donc très noum, j'ai hâte de voir. Sinon, j'ai comme des petites commissions à faire, genre j'aimerais aller au Dolo, au Jean Coutu. Puis peut-être au Great Canadian Dollar Store, peut-être au Marshall. Et j'aimerais probablement aller au Urban. So, une couple de places, là. Parce que j'aimerais avoir les mêmes sandales que j'ai roses. J'aimerais avoir les noirs. Mais ma maman a demandé à la madame. Puis, genre, quand je suis allée avec mon amie, là, il y avait un mur plein. Quand ma mère est allée, genre, il n'y avait presque plus. La madame a dit, hey, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a dit, ces gougounes là, elle a dit, sont partis. Elle a dit, assez vite. Ça se peut, c'est pas rapport. Ça se peut, ça a vraiment pas rapport avec mes vlogs. Mais, il y a peut-être un effet mine là-dessus. On sait pas. Mais c'est quand même cocasse. Ma mère m'appelle, genre, là, deux jours après. Elle dit, arrête de parler des affaires. Elle dit, arrête de parler des affaires. Quel fun. Elle dit, moi aussi, j'en veux des gougounes. Celui-là, elle a pu en avoir, mais c'est comme pas la bonne size. Ah, oh, c'est-tu ma mamie qui va mettre du gosse? Pitché. En tout cas. Donc, c'est ça, je m'apprête à aller en ville et je vous amène avec moi. Avant de partir, je voulais juste vous montrer ma robe. C'est pas une robe que je vous ai montrée dans mon haul, c'est une vieille robe. Moi, j'appelle ma robe de ménage parce qu'elle a un petit peu défaite. Mais là, vu que je mettais, ben pas comme défaite, mais genre comme petit fil, genre qui effiloche. Mais vu qu'il fait frisquet dehors, je savais que j'allais mettre mon beau manteau rose. Donc, bonjour, petit style du jour. Je pourrais vous montrer dans le miroir pour vous montrer genre qu'est-ce que ça fait avec ma robe. Mais je l'adore. Ouh! Donc, dans mes pieds, j'ai juste mis comme des petites, comme... Je sais pas vraiment comment t'appelles ça, là. Des petites muses, genre des petites sandales. Qu'on voit pas mon pied. Puis celles-là viennent du Pennington.
pour les petits pieds larges, comme je vous ai déjà dit. Et petit look du jour. Non, 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 j'adore la couleur. Puis elle est encore plus belle en vrai. Genre, je sais pas comment la dire, mais c'est vraiment comme... C'est vraiment rose, mauve. Comme à la caméra, elle a l'air plus flashy, mais en vrai, elle est plus comme vieillot. Je sais pas comment dire, mais je pense que vous comprenez le concept. With my beautiful baby. Et c'est pas mal ça, un petit look du jour pour aller manger un bon poké et aller faire des petites commissions. C'est pas ça, toi. Hello! Je sais pas pourquoi mes lumières sont allumées. Pourquoi vous êtes allumées, mes petites lumières? Bizarre. En tout cas. Noum! J'ai trop hâte de goûter. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop, trop bon. Donc, ouais, j'ai pas parlé à Caro. Donc, à Caroline, elle, qui a le yuzu ici. Mais de mes souvenirs, c'est vraiment ça. C'était l'année passée. C'était un nouveau poké tous les mois. Puis là, celui du mois, j'aurais peut-être dû prendre des napkins. Celui du mois d'octobre. Pourquoi j'ai dit octobre? Je trouve que c'était genre par mes mots. Comme moi quand je mange des sushis là, ouh! Puis celui-là, là, il m'excite vraiment parce que vous allez voir, il y a deux poissons. Genre deux, ben des crevettes, c'est pas des poissons, mais tu sais, vous comprenez. Deux sortes de fruits de mer et je capote parce que genre, je pense que c'est le premier poké. Il y a deux sortes comme ça. Enfin, moi, je prends beaucoup le kamikaze, genre, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais juste, genre, le. Quand je prends un poké, c'est soit je prends le duo de saumon, soit je prends, genre, comme le crabe, là. Mais c'est pas kamikaze, c'est kamiya, quelque chose, en tout cas. Mais là, c'est ça. Donc, c'est le poké Coco Bongo. Puis là, je pourrais vous mettre une photo de, genre, le Coco Bongo que je prends d'habitude. Mais habituellement, quand vous m'envoyez des messages, puis vous voulez savoir quelle sorte de sushi que je mange au yuzu. Je prends souvent celui-là. Je trouve qu'il est beau. Puis un petit edamame dessus. Puis là, j'ai pensé à Caro parce que là, je suis... Elle m'a pas demandé, là. Elle m'a demandé de faire un petit taste test. Donc, j'allais faire un vlog, c'est sûr. Mais je suis en train de lui faire un petit reel aussi. Puis, je me rappelle que quand elle m'avait pris en photo pour mettre sur sa page une couple de semaines passées, elle m'avait dit qu'elle aimait vraiment la chanson genre edamame. Puis là, vu qu'il y a des edamame dedans, ça, là, je suis en train de faire un reel. On se comprend. Donc là, le Coco Bongo Tronum. Et le voici, le voilà. Ça va être difficile de vous montrer là, mais je capote. Je vous lis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Salade de crevettes. Je sais pas si je vous ai dit ça. Petit fait cocasse, je suis allergique aux crevettes. Donc, salade de crevettes, tartare de thon épicé, omelette sucrée. Ça c'est ça là, le petit jaune. J'étais pas sûre si c'était des morceaux de mangue ou l'omelette. Donc, omelette, concombre, fèves de soya, noix de coco grillée, pardon. Du riz, sauce soya épicée. Ça, c'est la sauce soya qui est dans le fond de le poké. C'est ça qui fait la différence. Je capote. Oh, sauce soya épicée à l'érable. Désolée. Ensuite, sauce soya, mayonnaise, mangue, chipotle. Genre, excuse-moi. Comme on va goûter ça tout de suite. Parce que c'est ça que. Parce que j'avais demandé. Parce que quand on regarde sur la photo, genre du yuzu officiel, il n'y a pas la sauce. Il y a une place qui a la sauce, il y a une place qui n'a pas la sauce. Sauf là, j'étais comme, I want some sauce. I need saucy. Puis là, j'avais demandé genre un sac de spicy mayo. Mais tu sais, on n'a jamais assez de spicy mayo. Mais là, je savais pas, moi, là. Où est-ce qu'ils sont? Oh my god. Où est-ce qu'il y a mes petites baguettes? I need some baguettes. Avez-vous vu mes baguettes, la gang?
Puis ses yeux, je les ai mis à quelque part. Où j'ai mis ça? Où est-ce que mes baguettes sont dans un affaire blanc? Elles ont changé de packaging. Ben voyons. Après quelques petits instants, je suis de retour. Genre mes baguettes avaient vraiment tombé genre en dessous de mon siège, mais comme passager. Je sais pas que j'ai fait par le temps que je vous parlais, mais c'est ça. Donc, on va goûter la sauce ensemble. Je capote. Donc, gentiment, la belle Caro m'a offert ce poke. Son homme, vraiment reconnaissante de tout ça. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Par là, c'est difficile d'être une youtubeuse. Faut que je fasse un live ici. Et j'aimerais faire un TikTok. Pas un TikTok, moi je fais pas ça des TikTok. Si je mange là, ça paraît-tu? Ouais. Ah, c'est des nouvelles baguettes. On dirait que je vais me faire une écharpe. Excuse Caro pour la face. C'est que je vais me faire des écharpes avec tes nouvelles baguettes. Donc, ok. On va se faire un petit taste test de la sauce. Oh my god. C'est summer. Genre, ça goûte l'été la sauce. Mangue et chipotle, le petit goût de mangue. Garrett va adorer. Mathieu va adorer ça. Pour vrai, j'ai pris une petite pause pour continuer mon reel. Pour vrai, je capote. Moi, j'adore les petites crevettes. Mais pour revenir sur mon anecdote, je suis pas allergique aux crevettes. Je vous ai déjà compté ça, là, sans quoi j'ai des épipènes en tout cas. Que ça commencerait là. C'est juste quelques années passées, quand je mangeais du homard ou du crabe, j'avais vraiment les mains qui picotaient. Mais c'est pas quand je le mange, c'est quand je le touche. C'est comme si je suis allergique genre à la coquille, comme du crustacé ou peu importe. So, quand j'avais été faire mes tests d'allergie, comme vraiment à l'hôpital puis tout ça, les résultats ont sorti que j'ai zéro allergique au homard, zéro... Oh, crabe, zéro à rien, là. Mais aux crevettes. Genre, je mange les crevettes au moins une fois par semaine. Ça m'a juste dit de faire attention, mais tiens. Donc, en résumé, le poké, là, sans niaiser, là, je pense que c'est mon poké préféré. Comme valeur qui va juste être là le mois de juin. Mais j'adore la combinaison de crevettes et de saumon. C'est-tu du saumon? Ou du thon? Non, je vais pas vous induire en erreur. C'est soit du thon rouge ou genre du saumon sur le top. Tartare de thon épicé, c'est ça, thon. Parce que dessus, là, sur le coco bango, d'habitude, il y a une belle comme croûte de thon. Il est tellement bon, genre, puis en plus, moi qui est souvent indécise, je sais jamais, genre, quelle protéine que je veux, genre, dans mon poké. Là, j'ai les deux. Mais, la star du spectacle, c'est vraiment la sauce. Comme j'ai pris une sauce épicée, comme mayo épicée, à côté, parce qu'il n'y a jamais trop de sauce. Hein. Tu sais, moi, j'ai mis de la sauce comme après dans mon riz et tout. Mais genre, j'aurais pris un side de cette sauce-là. Non. Je capote. Donc, si jamais vous l'avez goûté ou que vous le goûtez, let me know. J'aimerais savoir si vous l'aimez. Puis les petites noix de coco, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime la noix de coco, mais comme ça goûte vraiment pas beaucoup. C'est comme une petite panko, genre un petit croquant, genre, qui fait comme... Ouh! Ça fait un petit peu sucré, genre, ça apporte comme un petit bon goût. Mais je capote. Donc, saucisse sèche parole. Et mes achats, il n'y avait plus de standard. Il y avait zéro standard. Il y en avait genre deux. Puis c'était des oranges, puis des beiges, mais il restait juste des small. Puis j'ai acheté des choses, mais je peux pas vous montrer.
C'est pour mes petites girls. Leur sac est pas mal déjà tout fait, là. Si vous écoutez ça, les girls, faites croire que vous m'avez pas entendu. Donc, moi, j'aime ça, faire des petites attentions pis tout. Donc, c'est certain que j'allais faire un petit sac à mes girls pour notre trip à mon bachelorette. Donc, là, leur sac est pas mal tout prêt. Il me restait juste une dernière petite chose que je voulais ajouter dedans. Je dirais pas c'est quoi. Mais, j'ai vu sur la story à Kat, à ma belle Kat. J'ai vu sur la story à Kat qu'elle, elle avait vu ça dans les vlogs à Maril. Moi, je suis pas rendue là encore. C'est quelque chose, hein, qui se vend au Sephora. Comme 50$, hein. Puis là, ben, tu sais, c'est certain, il y en a moins dedans au dolo, mais comme, ils sont là. Donc, j'ai hâte de voir. J'en ai acheté pour moi. Je vais les essayer. On va ajouter ça, hein, dans leur sac. Mais là, je vais arrêter de parler parce que je vais dévoiler les bunches. Donc, après, je m'en vais. J'aimerais aller au Marshall vite fait, juste parce que je suis en ville. Après, je pense que je vais aller voir ma marraine. Dire un petit coucou. Quelle heure qui est? Ouais. Je vais aller voir ma marraine. Puis peut-être qu'avant ça, je vais peut-être me chercher une crème glacée. Mais je suis en ville. I mean, I can. Parce que depuis que j'ai vu le post Singing Café, ils font, je vous ai dit, un flurry au matcha et au rayon, genre, tu me niaises, tu? Moi, je peux plus attendre. Puis matcha, tu sais, c'est style, genre, yuzu. Ça va bien ensemble. Mais pour vrai, merci, Caro. Je sais que tu vas écouter ça. Je capote, c'est trop noob, genre. Moi, je suis vraiment une fille de sushi dans la vie. Comme, j'adore les poké, mais comme, j'adore mille fois plus les sushis. Mais comme celui-là, tu sais, un poké, ça va comme vite fait. Tu sais, c'est comme, c'est facile à manger, on dirait. C'est sur la route ou peu importe. Ah, là, moi, le bout à la fin, là, avec la sauce. Puis, oh, c'est pas la même que d'habitude. Elle est vraiment plus sucrée. C'est vraiment bon. Mais pas comme sucré, genre, comme Kit Kat, là. Genre sucré, comme, sucré salé, un petit peu. Désolée pour tous ceux qui aiment pas les bruits de bouche. C'était pas mal un segment comme ça. Mais ouais, si je trouve quelque chose, je vous laisse des news plus tard. À tantôt. Trop cute, j'ai été interrompue par mes amis. Il y a le banana, pitié, puis le bébé banana. T'en reviens pas. T'en reviens pas. Ils sont en train de planer les dernières affaires depuis 9h matin. Je pense vraiment que je vais pleurer. J'ai vraiment comme des émotions. Comme pitché, ils prennent de leur temps. Une journée au complet. Là, ils ont dit qu'ils ont tout fini, genre les réservations. Tout ça, il reste une chose à réserver tantôt. Ils font ça depuis 9 ans matin. Ceux-là, ils sont dit on va aller prendre une petite pause. Puis, moi, j'étais là, j'étais en train de faire mon reel. Puis, j'étais en train de vlogger. Il arrive à côté. Non. Oh, si, ok. Je les aime trop. Puis en plus, Julien. Hihi. Merci, Julien. Il m'a donné les macarons qui restaient. Hihi. Un bon macaron de Shannon. C'est elle qui avait fait nos gâteaux, là, genre pour essayer les gâteaux de mariage. Puis si vous êtes dans la région et vous voulez des bons macarons, c'est Shannon. Shannon is the girl to be. Puis, allez vendre au café. Celui-là, c'est au caramel salé. Trop bon. C'est aussi elle qui va faire notre gâteau. Puis, nos macarons. Je capote. Donc, c'est ça. Une belle petite visite improvisée. Non, j'ai rasé comme une quinzaine de minutes, là. Et c'est ça. Donc, moi, je vais me diriger vers le Marshall. Juste pour faire du lèche-vitrine. Et
pas mal ça. J'aimerais vraiment me trouver des talons genre blancs. Mais des gros pieds. Genre les beaux talons là, que tout le monde a là, genre sur Instagram puis sur YouTube avec des boucles puis ça, ben moi je peux fitter la grosse orteille là-dedans, moi je peux pas, ça me fait pas. Mais j'aimerais quelque chose comme glitter puis ça. J'ai des beaux, j'en ai des beaux là, tu sais, j'en ai des beaux noirs. Tu sais, même avec des robes blanches noires, ça fait beau là. J'ai des beaux comme rose pâle, mais j'aimerais quand même avoir une paire de noirs, de blancs. Donc on verra. Je vais regarder au Marshall, on sait jamais. Puis la semaine prochaine, je vais à Moncton. So, je pourrais aller voir au Marshall là, ou au Winners. Ou, il y a plein de magasins de souliers à Moncton, je pourrais voir. Donc c'est ma mission avant de partir vers mon bachelorette. Donc sur ça, on se parle plus tard. Et le mot de la fin pour le sushi. Le nouveau poké. Non. Ça vaut des millions, ça. Tu veux dire Guérette, ça vaut des millions? Comme ça, Guérette, là, tu peux avoir un magasin, une de ça, juste un sachet. Tu peux vendre ces sachets-là, c'est bien. C'est le queso de Picus. Si vous l'avez jamais goûté, là, this is the bomb. Là, tu pourrais allumer le feu, ça irait mieux. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais c'est toi. T'as dit que tu voulais le brasser. Do your job. Non, non, relax.
Pas beaucoup. Qu'est-ce que tu nous fais pour déjeuner, mon homme? Moi, du McDonald's. McDonald's, on mène. Much better. Mon doux. Bonjour, nous avons une invitée spéciale qui aimerait dire bonjour au vlog. Allô le vlog! Pour les vrais de vrais, vous allez vous en rappeler de l'épisode du train. Oh, oui. Oh, le train! Ça fait longtemps. On a aussi fait une collab. Ah oui, comme pas l'été, l'autre été. Au printemps de la pandémie, genre. Ah oui, elle avait décidé ma journée, elle m'avait fait mettre des jeans. Ah oui, puis des fleurs dans tes cheveux. C'était une belle journée. Bonne journée, Laurie. Bonne journée, le vlog! En plus, salut! On se retrouve le lendemain. Je vous ai pas dit coucou depuis hier. Je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté. Je suis une petite démon. Pour vrai, je pourrais vous le montrer parce que j'ai pas enlevé ce que j'avais acheté de mon sac. J'étais comme, ah, j'ai pas pris le temps hier, mais j'étais comme, ah, je vois rien dépacter. Comme ça, je pourrais leur montrer aujourd'hui. Mais là, quand j'allais pour vous montrer ça tantôt, j'avais rien que je pouvais vous montrer parce que, comme je vous ai dit, c'est des petites surprises. Donc, la seule chose que j'aurais pu vous montrer de mon haul de hier, c'est des Ichu. Oui, ça c'est mon Ichu. Ichu! Oh. Mon... c'est des bully sticks pour Molly. J'en ai pris au Marshall. Quand il y en a, j'en profite parce que c'est beaucoup moins cher qu'au Pet Shop. Donc, des bully sticks. Je suis sûre qu'elle était sur la table. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu sur la table, mais bon. Donc, des bully sticks, puis des serviettes de table. J'aime bien avoir des belles petites serviettes cute, puis là, j'avais terminé ma réserve. Sinon, depuis ce matin, là, pour vous donner à peu près dans ma journée, il est 1h40. Puis, comme à chaque dimanche, c'est pas mal reset day. T'sais, on finit les lavages, on se prépare, on prépare les dîners de la semaine. Là, j'ai comme pas une grosse semaine au travail, mais j'ai quand même fait une belle salade, si jamais. Je sais que demain, j'ai une journée. Donc, je vais avoir une belle salade. Sinon, mercredi, je vais à Monkey Town pour... les gens de Paris, vous savez c'est où? Pour les autres, c'est Moncton. Donc, je vais à Moncton, donc je pourrais vous faire un petit vlog de Starbucks, tout nous. Et jeudi, je vais avec ma mère pour ma robe. Donc, je pense que je commencerai à ce moment-là comment je pense que ça va être rendu le quatrième vlog. Je pourrais commencer genre un quatrième vlog d'update de mariage. Trop excitant. Mais c'est ça, donc je vais avoir 3 jours au travail, donc je me suis faite une belle, puis Francis pourra manger pour ses dîners aussi. J'ai fait genre une belle salade de pâtes, on dirait que ça faisait longtemps. Inspiration Alex Larouche, et à chaque fois que je pense à elle, j'ai comme une larme parce que on dirait que
Elle existe plus. Je sais qu'elle existe. Elle sera toujours dans mon cœur. Salut Alex, si jamais par chance que tu passes ici. Mais je suis certaine que la majorité d'entre vous, vous avez le même sentiment que moi. Comme... Je sais pas. Je suis vraiment contente qu'elle pense à elle. Puis d'aller rendre une autre étape dans sa vie. Mais là, j'espère juste pour elle qu'elle a fini son cours. Puis qu'elle fait ses petites choses avec sa famille. Puis avec ses plans, avec ça. En tout cas. Je lui souhaite bien du bonheur. On dirait que c'est comme genre une étape de notre vie qui est comme terminée. Ça me rend triste. Donc, genre inspiration Alex, mais plus version grecque. Là. Moi, c'est ça que j'aime faire. Donc, j'ai mis des petits papillons. J'ai aussi mis des petites pâtes comme ça. Moi, j'ai de la misère avec les noms des pâtes. Là, il me semble que c'est tortellini. En tout cas, pas grave. Sinon, j'ai pris des cocombes, des olives noires, des petites tomates rondées coupées en morceaux, puis des piments orange et des oignons verts. Ensuite, j'ai pris mes épices épicures préférées, à herbe. Ensuite, flocons de piment aussi d'épicures. Puis, j'ai mis cette vinaigrette-là que j'aime beaucoup, la renée. La renée grecque. Puis, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai mis du feta. C'est très noum. Puis, pour dîner, je me suis fait une bonne capresse avec un restant de salami. Mais là, je prends juste une petite cuillerée de ma salade pour voir si elle est très noum. Je voulais pas montrer vraiment, je vous avais pas parlé des étapes avant parce que j'ai FaceTimé mon amie. Bonjour, petite Laurie, vous l'avez vu. Donc, je FaceTimé avec elle un petit moment. Puis après, j'ai dû raccrocher pour parler avec ma mamie. Ma mamie m'a appelé pour dire qu'elle va être bientôt à la maison. Je vais aller la voir pour qu'elle me fasse des belles orteils. Puis j'ai ma petite mamie qui me fait des orteils. Mais avant que, avant d'aller là, je me suis fait couler un café Nespresso que je vais apporter là-bas. Puis je l'ai fait couler. Puis là, il est dans le frigo parce que c'est le... lui de l'an passé, là, mais je l'avais encore, sauf que je l'ai pas acheté cette année, c'est lui à la noix de coco. Mais là, Chloé en a bu un dans son vlog, Marie-Lou en a bu un, on dirait que ça m'a donné le goût, moi aussi, de boire un café à la noix de coco. Donc, si vous l'achetez, il est vraiment bon, mais ça fait comme un gros café, genre, je trouve ça comme, si on le boit tout de suite, il est comme trop chaud pour qu'on mette de la glace et tout ça. Donc, je l'ai fait couler tantôt, là, je l'ai mis dans le fridge. Je vais le mettre avec de la glace, ça. Puis je pense même... Ichou! Ichou! Ouh, mais moi, mes allergies sensibles, là, ça n'a aucun sens. Oh là, je vais faire un gros achou. Ouch! Ow! Ichou! Oh! Vous vous direz peut-être. Peu importe. Vous dites probablement. Mon domaine. Pourquoi tu fais des petits achous? Et que là, t'as dit... Oh, c'est juste quand je fais trop des gros achous, puis comme je m'attends pas à ça... J'ai comme ma scoliose qui casse en deux. Donc, petit problème ici. Donc, petite. Chef Chris. Comment bien. Ce que j'aime de mes gros beaux Pampa Chef. J'ai découvert tout avec. Donc, je mets dans le frigo. Je vais juste mettre mon bol comme ça dans le frigo. Là, j'en mets dans un petit pot quand j'en ai besoin. Comme ça. C'est parfait. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Je vais continuer ma petite vaisselle. Puis, ouais, ce que je disais, j'ai oublié mon café. J'ai aussi de la crème fouettée au coconut. Donc, je pense que je vais en mettre un petit peu dessus. Parce que je trouve le café juste comme ça, café lait. Je trouve pas vraiment qu'il est comme sucré. Moi, j'aime quand ça goûte un petit peu. Puis, avec la crème fouettée là, j'imagine que ça va juste faire la petite touche de noix de coco comme... Je pense que ça va goûter plus. On se dit. On se retrouve pour ma petite... drink de coco. Puis, j'ai aussi deux petites choses que j'ai ici. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Je vais juste vous montrer ça par rapport là. C'est juste un petit fun fact, je pourrais dire. Moi, mon savon préféré, si jamais vous vouliez savoir. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste en coup, je l'avais pas rangé encore. Ce matin, je suis allée au Walmart. Puis,
C'est ça. Donc, petit savon de Saint-Yves, je l'adore. N'importe quel savon, genre, si tu veux gagner mon cœur. Ça sent tellement bon, genre, toutes les Saint-Yves sans l'été. Comme, aucun sens. Celui-là, là, sans l'orange, là, comme si t'es couché, genre, dans un bar de mimosa. Et, ça, je trouvais ça vraiment nice pour comme l'été, puis comme, pour le bachelorette, pour n'importe quoi, dans le fond. Tu sais, tu te mets une belle robe, ou tu te mets une belle camisole, ou peu importe. Puis tu veux genre comme shiny, j'ai hâte de voir, c'est une crème solaire, Cooper Tone, sur cette marque-là. C'est une 30 FPS, mais ça dit avec éclat. Je vais en mettre un petit peu genre sur ma main. Oh! Ouh! C'est comme un petit comme beige, gold. Voyez-vous genre, il y a comme un petit shine. On va... Ouh! Ok, il y a vraiment comme des sparkles. J'aurais peut-être dû le mettre comme à un autre endroit. Oh, ça chaîne vraiment. Oui, ma main chaîne. Elle sent pas genre la crème solaire comme... tu sens comme collante, là. Elle sent comme... Elle sent l'été. Mais là, c'est... Ah, vous pouvez voir un petit peu. Voyez-vous, genre? I'm glowing! Je suis comme shine. Là, vous voyez un petit peu, là, je shine. C'est comme là, je peux juste imaginer comme là. J'adore. J'adore. Donc, je sais pas à quel point elle va être bonne, mais tu sais, c'est de la 30. Faut pas que tu t'attends au miracle. Elle sent vraiment bonne. Et ma main est toute shiny, j'adore. Je pense que vous comprenez le concept, là. Mais j'avais jamais vu ça. Ça se peut que c'est un vieux produit, là, mais je sais pas, j'adore. Trouvez-en au Walmart. Sinon, je me suis fait couler mon coconut coffee de Nespresso. Et je vais le vider sur glace dans un petit pot maçon. Parce que... dans lui, je pensais que ça allait être plus gros qu'avec ça. On dirait que je me souvenais pas. Mais dans un pot maçon, ça prend presque tout le pot maçon là. C'est juste que je voulais le faire to go parce que j'aimerais aller le boire chez ma marraine. Absolument, ce temps-ci, par exemple, on va chercher l'épicerie, là. Mais, puis ma maman... Ah, oh, ma maman est arrivée. Ça marche pas. Parce que je voulais aller chez ma marraine avant d'aller chez ma maman, mais là, peut-être, j'irai après. Ça dépend à quelle heure je finis mes ongles. D'orteils. Sinon, j'irai après l'école. Demain. Parce qu'il y avait de la visite. Je voulais pas les déranger quand je vous avais dit que j'allais là. Mais bon. Peu importe. Vous avez pas besoin de savoir tous mes petits plans. Je pense pas que ça vous intéresse. Mais, donc, café... Un peu de lait. Ooh, so beautiful. Donc, un petit peu de lait, on ajoute un petit peu. En passant, là, on est le 4. On est sur le 4 aujourd'hui ou le 5? 5. Demain, le café à Justin Bieber Star. Ooh. Et là, je veux le faire to go, par exemple. Je veux juste en mettre un petit peu. Un petit peu de crème fouettée, c'est celle-là à la noix de coco, là, elle est vraiment bonne. Genre même comme juste sur comme des fraises, comme un petit dessert frais là, l'été. Je l'aime beaucoup. Et... comme... Allô, là. Appelez-moi Starbucks. Star la mine. Et dessus, un petit cacao croquant d'épicure. J'adore, ça fait juste une petite touche... mignonne. Comme... Allô. Genre, qu'est-ce que vous voulez de plus? Nom nom. Parce que, c'est ça, j'arrivais de l'épicerie, puis là, j'étais comme, ah, oh, je pourrais... J'ai presque arrêté au Singing Café, mais là, on avait été deux fois cette semaine. Là, j'étais comme, garde. Je suis capable de me faire des bons cafés à la maison. Donc, on va se mettre ma petite paille. Comme... Non, non, gardez-moi ça. Bonjour, ici le cocomino, le coco à la mine. J'ai pas d'allure, j'ai zéro d'allure. Donc, ça va être mon petit café to go pour aller chez ma mamie. On va me faire des beaux petits ongles d'orteil rose. Emily, vous êtes prêts pour la semaine? Inquiétez-vous pas, là, je suis capable de faire mes ongles. C'est juste que ma maman a tout le temps aimé faire ça maison. Quand ça lui a donné, elle disait c'était comme
son petit moment de maman avec son petit bébé. Parce que même quand je vais avoir 40 ans, je vais quand même être le petit bébé maman mamie. Donc, sur ce, je vous parle tantôt. Et moi, je m'en vais chez mes parents. Regardez mes beaux pieds. Merci, maman, oui. Je Ma mère m'a fait mes pieds. Je m'en parle. Ma pêche est prête. Je t'aime. Bonjour, mamie. Bonjour, Molly. Est-ce qu'on dit bye aux amis du vlog? Est-ce qu'on dit bye? On dit bye, bye, bye. Merci de nous avoir écoutés. Oh, papa écoute une tune de Titanic. Qu'est-ce qu'il fait là, le papa? C'est quoi ce qu'il fait, ce papa-là? Qu'est-ce qu'on dit aux amis, Francis? Il me reste... 4 de l'eau. 4 de l'eau, en quoi? 4 de l'eau. Non, il me reste 3. 3 de l'eau. Non! Mais pause! Il va te tuer! Il va te tuer, toi! Mais pause! Qu'est-ce qu'on demande aux amis? J'étais bien débrouillé. Il y en reste 4. Oui, mais qu'est-ce qu'on demande? T'es mon gérant, c'est toi, faut qu'il t'occupe. Subscribe and follow. Emily? Pour vrai, merci de m'avoir suivi dans une fin de semaine de petits vlogs encore. Désolée, Francis, écoute la téléphone et ma caméra plus de batterie et mon téléphone non plus. Donc, je suis chargée, c'est ça, là. Je m'en vais me laver, presque 9h, la semaine qui commence demain. Puis, j'ai plein de belles choses cette semaine, donc je vais vous apporter avec moi, c'est certain. Puis, un gros coco, merci d'avoir passé du temps avec moi. Molly, dans son prime time, elle veut jouer, c'est juste un chaos. Donc, on se reparle très bientôt. Bye.